Je viens voir. J'ai déjà sale. Putain. Boîtier CDI. Donc après avoir fait les soudures comme il faut, maintenant, enfin juste après je veux dire, j'ai mis du Chatterton partout. D'accord ? Mais propre. Pas avec un Chatterton qui se barre ici, un Chatterton qui se barre là. Voilà, propre partout. J'ai mis point d'accélérateur. Pas du tout. Je pense qu'on va devoir changer. Parce que... Non, il faut changer le cap d'accélérateur, faut pas changer la poignée. J'ai des poignées ? Oui. Putain, tu suis. Ouais, c'est le cap d'accélérateur, un des deux. Parce qu'il était filoché. J'ai essayé de le... Ah, mais c'est le breakdance, oui. C'est lui le breakdance, oui. Oui, cap d'accélérateur. Mais non, ils font du breakdance. Non, ils font pas du breakdance. J'ai essayé de le... comment ça s'appelle ? De mettre de l'étain dessus. Parce qu'il était filoché. Et... J'ai réussi un peu au début, et à force de faire ça, on entend ça grince et ça revient pas. C'est pas la peine. J'ai remis poignée de débrayage. D'embrayage, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est j'expliquerai un autre jour, mais c'est un embrayage. Là ça embraye, là ça débraye. Eh oui, personne ne sait, mais c'est comme ça. On débraye. Et là ça embraye. Eh oui, j'expliquerai. Bouton coupe-circuit. Poignée neuve. Mets pas tes paluches de merde dessus, touche pas. Mais c'est à moi. Tu m'en pas les couilles. Tout neuf. Et là, j'ai pas mis. Parce que je sais que je vais la ressalir, celle-ci. Celle-ci, j'ai plus besoin de venir y toucher. Celle-ci, je sais que je vais la ressalir, étant donné que je vais retoucher de partout. Donc, je l'ai pas mis. Ça avance petit à petit. Mais, aujourd'hui, j'ai reçu ma pochette de joint. Bravo. Oh, qu'est-ce qu'on va faire, Lilian ? On va fumer les joints. Je sais pas. On va monter le carbu. Le bas moteur. Le bas moteur. On monte tout le bas moteur. Il manque juste le piston pour la suite. Donc j'ai enlevé tout ce qui est scotch. J'ai repris de la paille de fer et j'ai renettoyé le plan de joint. J'ai soufflé de partout. J'ai dégraissé partout. On est prêt à tout monter. Alors, étant donné que ça fait je ne sais plus combien de mois qu'on l'a démonté, cette bécane. Mmh. J'ai activé le code triche sur la chaîne Gumbo. Ah. J'ai imprimé le mode de remontage, bon, ça c'est le carbu, et je l'ai plastifié parce que je sais qu'avec mes grosses mains dégueulasses, il va être dégueulasse, on ne verra plus rien. Et j'ai pris un stabilo. Et il y a des numéros partout, donc je vais encore me faire chier à donner les écrous de Newton mètre. Ah oui, par contre, il va falloir que j'aille chercher le... Le Newton mètre. Non, le guide de la moto, enfin le manuel de la moto. Parce que dessus, il y a les coupes de serrage. Les coupes de serrage, j'en vois bien. Toujours pareil. J'ai pris un stabilo. Franchement, c'est un bon truc hein, que j'ai dans la tête. Mais je suis sûr que je ne vais pas réussir à le faire. À chaque fois qu'il y a une pièce que j'ai mise, comme celle-ci, regarde. Viens voir. Alors, on parle de cette pièce-là. D'accord ? Regarde. Ça brille. Oui, ça brille. Regarde là, ma main. Tu vois ? Ça, c'est un demi-carter. Demi-carter côté boîte à vitesse, celui-ci. Oui, oui. C'est celui-ci. D'accord, d'accord. Oui. Les deux goujons, là, on les a déjà. Hop. Mais ça, ça part vrai. À le doigt. Ça part à le doigt. Si on touche pas, ça part pas. Donc, faut pas toucher. Tout ça, on l'a. Donc, on s'en fout. Mais toi, en fait, t'en as peut-être un peu rien à foutre. C'est plus pour les gens, ça. Parce que toi, tu sais tout par cœur. Non, non. Menteur. Ça fait des mois. Viens, ça fait des mois que je ne l'ai pas monté. Je montrais des moteurs tout le temps comme ça, ouais, je le ferai les doigts dans le nez. Mm. Mais là, il suffit que j'oublie une rondelle sur la boîte à vitesse ou quoi que ce soit. Je suis bon pour tout redémonter. Ouais. Non, j'ai activé le code triche. Gauche, bas, droit, haut, X, Y, Z. Gauche, bas, droit, haut, gauche, bras, haut. Non, pas bras, haut. Ensuite, celui-là, je l'ai déjà. Le goujon. Ça numéro... brille, Jamel. Goujon numéro 25. Je l'ai déjà. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Goujon numéro 25, je l'ai déjà. Ils sont là, imbécile. Oui, mais imbécile, mais moi j'ai jamais démonté un mais moto, ça se moi. Il y a le mode d'emploi, putain de merde. Ah, il y a ça qui tombe. Ça, on l'a déjà. Oui. 11-24. Qu'est-ce qu'on a mis dessus encore ? Il n'y a rien d'autre. Non, elle n'y est pas, la vis. Elle n'y est pas. Elle est dans mon coin à vis. Tout ça, c'est mis. Mais c'est pas un carbu, ça ? Et ça, c'est un... Ça, c'est un carburateur. Ah, c'est lui, le carburateur. Carburateur que j'ai désossé entièrement et qui est en train de se baigner dans de l'essence. Il fait des petites nages. C'est pas très sympa. Si, ça va le décrasser. Le temps que je remonte tout ça, mon petit, ça va lui faire du bien.
Eh ben, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par un truc super chouette. On va commencer par les roulements de vilebrequin. Oui. Qui sont neufs. Mais où sont-ils? Est-ce que tu te rappelles? Alors, le vilebrequin, il vient ici. C'est lequel? Lui, il va là. Et pourquoi? S'il est plus gros. Bah, rien à voir. Il va là parce que c'est son emplacement, pas parce qu'il est plus gros. Ah oui. Ah oui, oui. Alors, normalement, ça se fait à la presse. Il y en a aussi, qui mettent les roulements au congèle et qui chauffent énormément le contour. Mmh. Et qui vont chercher leur roulement au congèle, qui les mettent, ça s'enclenche tout seul. J'ai pas pensé à les mettre au congèle. Mmh. Et du coup, je vais tapoter au marteau jusqu'à ce qu'il rentre. C'est une bonne idée. Ouais. C'est dangereux pour la moto. Il faut bien faire attention, bien prendre son temps et pas taper comme un marteau n'importe où. Il faut vraiment le rentrer tout autour. Mmh. Parce que tu vois là, mon roulement il tourne bien encore. Ouais. Mais il suffit que tu rentres de travers et là tu peux niquer ton roulement. D'accord. Et si tu prends une masse, tu vas tout niquer. Là, c'est pas la meilleure des façons de le rentrer, mais j'ai rien d'autre. Je passe ton temps, on est arrivé au bout. Et il tourne sans faire de bruit. Donc il est bien mis. Nickel. Regarde bien. Ouais. Premier roulement fini. On va le serrer, ça sera fait. Et ben. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre, Lilian? Des vis. Exactement. Et il moi, faudra le peinturer. Le peinturer, ce n'est pas très français, c'est plus canadien. Le peinturer là. Le peinturer là, mais attends. Ah oui, non, si, ça t'a raison, oui, bien sûr. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. C'est lui. Je suis pas très gaucher. Attends. T'es pas très fort. Attends, j'ai une idée. Je vais changer de main. Rappelle-moi pourquoi t'es pas Picasso, toi. C'est bon. Et lui, là? Non, c'est après lui. Ouais, je sais bien. Regarde ce que je vais faire. Qu'est-ce que c'est là? C'est de la pâte à joint bleue pour les vis, pour pas qu'elles se dévissent. Donc c'est du Loctite, ça n'a rien à voir. Ok. Mais c'est pas de la pâte à joint bleue, mais tout le reste, t'as raison. C'est un frein filet, ça s'appelle. Et qu'on met sur les vis pour qu'elles empêchent de se dévisser. Les vibrations thermiques. Du moteur. C'est bien, hein? T'en mets pas beaucoup, t'en mets genre pas bien. Pas bien, regarde. Juste ça, là, quand je vais serrer, ça va en foutre partout. Ouais. Faut mettre partout, tu penses, du Loctix? Du Loctisque, Loctite. Ça s'appelle du Loctite. C'est intéressant ce truc. La Loctite. Ouais. Et on serre en coupe de serrage. Mmh. Je rapproche juste à la clé. Après coupe de serrage. Nao, on est en train de faire ma moto. Vis mise. Oui. Oui. Vis mise et. Serré en couple. Lilian. T'as pas suivi ou quoi? Bah j'étais là pourtant. Ouais. Qu'est-ce qu'on va monter là? Le deuxième roulement. Eh bien non. Eh ben si, faut faire les choses dans l'ordre. Je vais quand même te dire non encore. Bah je ne sais pas, on n'a qu'à monter... On n'a qu'à mettre la culasse. Bah t'as raison, on va faire les choses dans l'ordre. Hein. Bah mais c'est pas ça l'ordre. L'ordre, il aurait fallu qu'on mette le roulement là. Ah, il y a un truc intéressant. Là. T'as dit quoi comme mot? Il vient là, le roulement. Le roulement. Bon, il va être plus gros que le trou prévu. Hein. Bah on va l'arranger les gars, vous inquiétez pas. On fait un trou plus gros là. Ouais. Non? Moi je reste sur ce carter. Ouais. Ben, on va mettre ce roulement parce que tu les as reçus tout neuf. Roulement de boîte à vitesse. Et tu les as reçus tout neuf. Tout neuf. C'est pas une boîte à vitesse ça. Non, c'est un demi-carter. Ouais. Un carter, alors un pourquoi les roulements iraient dans le carter, demi-carter, alors que c'est des roulements de boîte à vitesse. Mal à tout le monde là. Ouais, ouais. Donc ça fait partie de la boîte à vitesse cette chose. Cette partie, je suppose, en tout cas. Cette partie, c'est la boîte à vitesse, c'est ça? Oui. Et elle?
Pas du tout, hein. Non. Je crois que j'ai suivi tes vidéos après, je les ai regardées. Je vais mettre de l'huile. Alors, de l'huile. L'huile spécifique Honda. L'huile spécifique Honda. Je tiens à dire que c'est de la 1030 pour l'huile moteur. 10W30, ça se dit 1030. Mm-hmm. En 100% synthèse. Pour le moteur et pour la boîte à vitesse. Sur les 250 CRF de 2004 à 2009. D'accord ? Je suis sûr à 100%. Parce que c'est le manuel qui le dit. Et parce que quand je suis allé chez Honda, j'ai quand même reposé la question. C'est-à-dire que, logiquement, tu achètes de la 1030 100% synthèse sur Internet ou je ne sais où. Même si ce n'est pas de la marque Honda, ça marche quand même. Comment c'est possible ? C'est juste parce que là, c'est de la marque spéciale pour Honda. Alors, celui-ci, c'est vraiment le spécifique pour ce moteur-là. Ce moteur-là, pardon. C'est ce qu'ils m'ont dit à Honda, machin, machin. Ils veulent vendre leur truc. Il en faut deux comme ça. Oh, ça dit 8 litres. 21 euros. Ah non, 1 litre. Unité. Non. Ça fait 42 euros d'huile. C'est impossible. Je l'ai pris parce que je voulais faire les choses bien au maximum. On fait les choses bien. Pour ceux qui veulent juste faire une vidange ou un truc tout con, vous pouvez prendre de la 1030 simple. Mm-hmm. D'accord ? Avec de la 100%. Non, en 100% synthèse, hein, pas de la semi-synthèse. Mm-hmm. En 100% synthèse, ça fera l'affaire. Très bien. C'est parce que là, j'ai vraiment tout mis à neuf. Je voulais vraiment faire tout nickel. Je vais en mettre un petit peu là-dedans. Maintenant, je vais huiler à chaque fois que je vais y foutre. Il faut faire comme ça chez vous. Si vous voulez faire. Même chez les autres. Chez ouais. Vous, chez les autres. Ouais, si vous voulez faire chez les autres, ouais, c'est bon délire ça. Salut, je vais mettre de l'huile de boîte dans, chez toi. J'en mets un petit peu pour faire coulisser autour. C'est une technique ou. Oui. Il faut faire comme ça. Eh ben, j'ai toujours fait comme ça, donc je ne sais pas si on fait comme ça. Je n'ai jamais travaillé en mécanique moto. Et en mécanique auto, c'est pas souvent que tu changes des roulements de boîte à vitesse. Et pourquoi ? Parce que ça se fait plus. Bah, ça veut dire que c'est de la bonne gamme ? Ça veut dire que ça coûte trop cher les réparations. Donc tu changes la bagnole ? Tu changes la boîte à vitesse ou la bagnole, ouais. Alors, on va les placer. On va prendre une douille. Qui fait la pile de taille ? Qui fait la bonne taille. Ne pas prendre la masse. Vous risquez d'abîmer. Oh, si, je me suis dit, j'ai pas mis du bon sens. On va pas prendre la masse là pour taper juste là-dessus. Là, regarde, ça vient pile épouser les bords. Ouais, c'est vrai. Donc c'est bon. Si vous voulez faire ça chez les autres, par contre, cette fois, juste chez les autres. Faites pas ça chez vous. C'est dangereux, mais c'est fait aux professionnels. On est embuté. Il faut bien rentrer droit tout de suite. Tu vois, là, j'ai vu que j'étais de travers. Mmh. Je l'ai ressorti. Pour rentrer droit. Celui-là, tu peux plus le ressortir après. Là, sinon. Il va falloir que j'achète une presse ou que je me fasse une presse. Et on peut se faire une presse ? Oui. Et voilà. Ça fait lubrifiant. Oui, non, mais c'est quoi la marque ? WD-40. De ça ? C'est WD-40 ? C'est marqué là, en fait. Ok. Tu vois, c'est comme ça là-bas. C'est du motul. Pourquoi tu cries, je suis à côté? Ah oui. C'est du motul, ça, tu vois, le truc là-bas. C'est pas de. Bon, vas-y. Va ta gueule. Elle a bien le goût, hein. Lui, il a pas mal à la tête, lui. Dans pas longtemps, vous allez nous voir. Enfin, vous allez me voir. Rouler avec ma 2,5 Honda. Motul. Maintenant qu'on a terminé ça, on va faire l'autre demi-carter. Comme ça, on se met tous les roulements tout de suite, on n'a plus besoin de se faire chier. Ça, c'est une chose chiante à faire, j'aime pas mettre des roulements. Ça, c'est un arrache-rotule. Ça n'a rien à faire avec le thème de la vidéo. Mais c'est un arrache-moyeux.
Oui, putain. Je crois que je suis pas très fort au dessin. T'as mis de l'huile avant? Oui. Donc comment on voit si je suis arrivé au bout? Je sais pas si tu vois, là, il y a encore un écart. Tu vois? Ouais. Il faut encore que j'aille en buter. Quand tu retapes comme ça, là, c'est mauvais signe. Non, c'est pour être certain. Ok. Oula. Oula. Je fais les partages. Partage de coups. Bon, j'ai mis les trois roulements. Sans trop galérer, ceux-là. J'ai mis un peu de graisse pour que ça glisse. Coupe de serrage? Il n'y en a pas sur celui-là. Bah oui, je sais bien. Pas du tout. Alors, petite astuce. Petite astuce. Petite astuce comme ça. Hein. Quand il y a des vis cruciformes. D'accord? Tu me suis? Parce que tu as l'air en train de dormir là. Non, ça va. Vis cruciformes. Il existe un outil qui s'appelle un tournevis à frapper. Ça fait une sorte de gros tournevis avec une sorte de ressort dedans. Tu tournes, tu tapes. Et en tapant, en fait, ça le serre. Sans que tu chiques. Parce que là, si je force comme ça, je peux chiquer. Et déboîter la vis, voilà. La foirée. Niquer la vis et la foirée. Exactement, Lilian. C'est la foirée. La foirée. La petite astuce, c'est que tu prends le tournevis adéquat. Tu le mets bien droit. Tu le fais bien prendre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner pour serrer. Et en même temps, je vais taper. Pas directement, ça va le serrer. Ouais, j'ai senti que je l'ai serré. Ça a tourné. Pas beaucoup, hein, mais ça a tourné. Ça évite de prendre des risques pour le foirer, quoi. Alors, mieux c'est, voilà, le mieux, c'est que tu me tiennes le moteur. Merci. Hop. Maintenant que tu me tiens le moteur, je vais faire le deuxième. Et voilà. Là, c'est pareil pour le desserrer. C'est surtout pour le desserrer que c'est intéressant. Tu tapes bien droit pour rentrer ton tournevis. Et après, en le desserrant, tu tapes. Ça va venir tout seul. Il n'y a même pas besoin de bien forcer là-dessus. D'accord? Mais il faut bien se placer. Il ne faut pas le faire à l'arrache, sinon on tunique tout. Tous les roulements sont montés. On n'a plus qu'à tout remonter. Exactement. Et regarde ce qui nous attend. Allez, on rechange. Allez. Regarde-moi comme c'est beau et tous ces roulements tout neufs. Ouais, ça, tout neuf et tout. Oui, il ne faudra pas oublier de le mettre après. Il ne faudra pas oublier de le mettre après. Bon. Bon. Je vais faire un peu de place. Touche à ton cul. C'est pas du tout, c'est pas ici, c'est un autre. Mais tout ça là, qu'on a mis tous les roulements là. Non, on va prendre la boîte à vitesse.